11 mai 2023, 2 jours avant, marche à opposition. Quatre leaders à opposition, Koutanaki, Lobby Eleki, Wabisika, Nakinchasa, Martin Fayulu, Matata Ponyope, Moïse Katumbi, Basola qui n'a pas matali, ba disposition, Nyonso, Yakozoa Ponako, Sala, Miluminene, Oelenge, Lami Bongo, samedi 13 mai, à la ville province, Yakinchasa, Bozola, Nabiso, pardon, le monde, Mbote, Pebo. Bolamu na malaka na bino ya pona Congo, pona Congo, on a Kinshasa, pona Congo, na ba province, pona Congo, libanda mboka, pona Congo, pona ba Congo, mani yon soubazon anda biso, pona intérêt mboka na biso, patrimoine commun, de na mesala koloba, lopango ba koko batike la biso. Yambo ya koye ba invité, pe koye ba sije ni toko kabolona tongo alelo, quelques sujets d'actualité, pénurie de maïs, nous avons de bonnes terres au Katanga. Et au Kassai, il y a de petits agriculteurs qui produisent du maïs. Nous allons les récolter avant de penser à l'importation. Nous identifions présentement ces agriculteurs, a déclaré José Panda, ministre de l'Agriculture. Programme de SA45 au territoire au Congo central, le taux d'exécution de travaux évalué à 60% déjà à Kassangoulou. En marge des inaugurations de ces chantier, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a dépêché une mission de suivi et d'évaluation de travaux sur place. Et drame de Kaléyé, les populations directement touchées vont être délocalisées. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement. Aussi, l'aménagement de territoires comme moyen de prévention des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo. Et sa liberté médiatique, le gouvernement assainit l'espace audiovisuel en réduisant de 262 à 107 le télévision autorisée à fonctionner en République démocratique du Congo. Voilà. Titre Natongo Alelo, Tokolobela, Maï Matali, actualité politique, quelques mois avant l'élection, Lolenge Kanimbo Kanabiso et Zali Kotambola pays na biso RDC zali na etani. Est-ce vrai que elo comment côté zo salema ndenge opposition zo lobama et ce qui est ko salema topé makambo ebele zali ko salema, est-ce que ça suffisant, est-ce que na motango nini makambo ezako évoluer toko betali solo yango lelo spécialement na ba pandisango nini peuple zo zela na gouvernement oyo ekotaki pe est-ce que programme na bango eza respecté. Tolobela Congo lelo na mwana mboka Gauthier Sey Azali Bongo, éditeur ya New Tech News, journaliste en Démocratie du Congo, mwana mboka mbote pe boye bola. Mbote maman Naomi, merci pour na invitation. Mbote na balandi banso ya émission munene oyo pe ya Congo Buzz Télévision. Mbote une équipe technique na kanisi on est disposé à Kolobela Congo. Très bien. Na Congo, to ya mbeli bino ndeko simayon isako azali, moko ya ba editeur pe mopanzi sango mbote, pe boye wola. Mbote na mwana mbote na ba telespectateur nyonso ya Congo Best Television, mbote na ba fidèle telespectateur pe ya Pona Congo, c'est magazine, je crois que nazana, je sais plus me rappeler très précisément, na 3e, 4e ou 5e participation. La CPL pour l'invitation d'ailleurs. Je crois qu'on va passer des bons moments avec mon co-débatteur en face, Gauthier Sey, que je salue. Très bien, merci beaucoup. Merci. Avant d'aller plus loin, avant de parler Congo, ce qu'il faut rezonner la salubrité médiatique, réduction il y a la chaîne de télévision, puis loi et presse, sur le ligne Kani, Makambezo Tambola, quelques mois des élections, parce que tu as dit que ma pandisan Bazan, Moussala Makas, c'est surtout dans l'Italie, ma pronom. Le ligne Kani, Oyambi Sangoyango, réduction il y a la chaîne de télévision, puis loi ou est-ce la presse? Non, je salue d'abord cette décision. Nakanisa, il est normal que salubrité médiatique au Congo soit dans la République démocratique du Congo. Je demanderai aussi à la ministre des médias, paix et à communication. On ne doit pas se limiter à fermer certaines chaînes parce qu'ils n'ont pas payé ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas les documents qu'il faut pour l'ouverture à chaîne. Mais il faudra aussi les critères.
Au-delà d'avoir les matériels, il faut aussi avoir un programme, il faut aussi avoir des gens capables, n'est-ce pas, d'animer ces programmes. Je pense qu'il faut renforcer les critères où est allée la création de la chaîne de télévision, le fonctionnement de la chaîne de télévision. Mais aussi, il faudrait organiser une structure, mon cognitif inspecteur, et qui te répond à la viabilité, n'est-ce pas, et la chaîne de télé. Aujourd'hui, les télés proposent n'importe quoi, diffusent n'importe quoi. Les gens, il y a tout ce soir, sur la TV, moi j'en connais deux, trois. Oh, bah, ah, c'est dans mon cas, TV, comment on a zappé, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui se sont improvisés dans le salaire, et qui ne sont pas à mesure, n'est-ce pas, il y a coupé ça, ce qu'ils doivent réellement donner comme un média. Et ils viennent, ils contribuent, n'est-ce pas, dans le détriment, la désinformation, il y a Bayimboka, et alors que la télé a aussi pour rôle de former des gens, nos enfants, nos jeunes frères qui suivent la télé, il doit y avoir des programmes éducatifs, des programmes qui permettent, n'est-ce pas, à ceux qui suivent d'être édifiés, d'être formés ou d'être, n'est-ce pas, c'est pas moi, éclairés sur certaines questions. Donc, coup de chapeau au ministre Mouyaya qui vient de faire ça. Il doit aller jusqu'au bout. Mais je pense que la chaîne opère, si qui peut mettre, il y a des chaînes qui posent problème en termes, n'est-ce pas, contenu. Il est important de revenir là-dessus aussi. Le contenu. Merci beaucoup, Ndeko Gauthier Sey. Moi, je suis un peu plus réduire la chaîne de télévision est une solution pour la célébrité médiatique de Kaoutu qui relève le contenu, le programme Pébongo, ni des journalistes, ni des autres. Salut la télévision, la biso et tous autres créés en haut. Donc on me dit pourquoi n'allez pas créer dans nos chaînes de télévision le cas nous imbissant ouais. Je pense que c'est l'une des solutions. Dans dynamisme, il y a salubrité, il y a espace médiatique, la biso, il y a RDC, Kokanga ba télévision misuso. C'est l'une des solutions pour que tout ce qu'on a causé dans un espace médiatique aéré. Parce que le colonel de Gauthier Sey a lobby en haut. On a plusieurs médias dans le cannabis, mais pour quel contenu? Tout ça, on a contenu. Parce que notamment, dans le rôle des médias, on a pour rôle d'informer, former et divertir. Mais au commun, on a que, c'est vrai, dans le rôle, il y a copé cette information, on a, les médias, ils sont commis copé cette information dans le cannabis. Il y a plusieurs styles inventés. Au biso, ils sont tout le temps dans la classe. Ils ont créé Bastille dans le cannabis. Ils ont Bastille dans le cannabis. Et l'autre a remis comme on a, dans son critique, dans la colo bayango, au domo dans la télévision, notre ami Bimissi Mamelo, la télévision. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut? C'est quoi les messages qu'on passe dans l'opinion? Notre ami Bimissi Sango, la télévision. C'est quoi les messages? Je ne suis pas en train de critiquer mon frère et ami Israël Moutombo, mais dans la Katia Koloba, Makambo et Sengel Toloba. C'est quoi les messages qu'on passe à l'opinion? Est-ce que ma principe n'a bisso? Il y a journalistes, mais ils ont recommandé Bisso Makambowana. Est-ce qu'il n'y a pas une catégorie de gens qui est lésée par le fait que mon journaliste à l'attitude, avant la télévision, a commis que présenter émission Ami Bimissi Sango? Est-ce que Sango Baza les était né Lokowana? Donc aujourd'hui, Mouyaya devait aussi plus s'atteler à contenu. Il devait plus s'atteler à contenu. Parce que le lot, à ta ce qui t'okéi, la devoir, la biso moussous, il y a qu'au divertir. Okay. C'est quoi les divertissements, les lots? Autant que moi, on a la télévision, la biso. Divertissement, il y a un autre, on a la télévision, la biso. Exacté. A ta ba média, moussous, on a moni, parce que j'ai vu qu'il a donné l'autorisation, quand on a 107 médias. Mais dans 107 médias, on a comme on a que média, moussous, bah ça, t'en a programmé. Bah ça, t'en a programmé. Bazara na kamwa bureau moko plateau kutu ya Congo bezo eza munene. Atika coordinateur na metteur à côté, c'est fini. Mais bazu autorisation. Ba mususu pe ba koza na ba loko ya belé bazu autorisation te. Autorisation na les acquis sur base de quoi? Sur base ya bat bazara mikanda, sur base ya bat bazo travailler na ba norme. Wana ndinga na yebite, mais na monique. Wana mouya yanda koko répondre à la question wana ou bien équipe technique na yo travaille qui et satellite qui dessus pendant qu'on a une décision wana ba koko répondre na motu na wana mais autant que c'est ça que tant on ba koko ba décision ya boyé il faut ezala ba décision motivée et objective na ko le ba te ke ça subjective mais na ko le ba qu'il faut ezala vraiment objective parce que tout le monde qui na ba chaîne monsieur soupé. Oui, ils allaient retenir pour que ne soient pas mettre dans la RDC, ne soient pas fonctionner. Mais sous, ils ont un programme Yamalonga, ils ont la Kati.
bah sélectionner bah, pour que bah continuer quoi mettre. C'est quoi les programmes qu'ils vont continuer à donner? Vont-ils changer des programmes ou bien changer bah, programme T? Donc, tant que ça la bah, sélection, surtout qu'il s'agit de la vie d'une nation, il faut que tout ou quoi là objectif na makambo tant que ça là. Ce n'est pas faire des choses parce que na ko favoriser oyo azali moninga na ngai ceux qui na kangi chaîne oyo za chaîne ya songolo pakala bakoloba e ko ça la buzz na ko zala na ba journaliste nous na peka na ngai te eza malamu te. Sinon nous saluons la décision qui est prise parce qu'elle contribue à la salubrité et à l'espace médiatique congolais, ba média comment qui peut ébeler pour na message mon. Vous partagez bah vous quand c'est qu'il faut qu'on ait une YouTube comme ça pour socola peko. Surtout n'aspect on est à YouTube ou on est Tolembi. On a Tolembi ou qu'on va dans l'anda comme on est bah pour un petit titre. Tu sais que d'ailleurs il y a l'état. Tolanda. On clique dans le lien. On lundi du début à la fin on monte place journaliste à bimisu preuve. Il y a Koloba que tu sais que d'ailleurs bon, il y a l'État. Ah, on compte Kaka, Vinaye. Il a juste besoin de pomper un titre juteux pour que Batobatan aille à quoi qu'on soit vu. Donc, ministre, gouvernement, Nabisso, ministère, il y a médias, la communication. Bah, comment on a négligé, bah, on a travaillé en étroite collaboration, na bah, gestionnaire, il y a YouTube, de sorte que, bah, on a quoi strindre. Kangapé, bah, chaîne, il y a bah, YouTube, il y a possibilité, ils allaient. Parce que ça n'est quand même des trop. Ça n'est de trop na. Et comment est-ce que liberté de presse, liberté d'expression. Que c'est liberté y a presse, liberté d'expression. Tant que ça la yango d'ailleurs, il faut le souligner que depuis le régime, il y a Félix Tshisekedi et Bandi, la RDC a gagné des 30 places dans le classement mondial. Dans 4 ans, il y a Tshisekedi, nous avons gagné des 30 places en matière de la liberté y a presse. 30 places. Ça veut dire que les journalistes sont coincés. Ils ont été coincés à l'époque de Kabila. 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 Ils ont été liberté à l'époque de Kabila. Il y a certains journalistes qui ont été coincés à l'époque de presse. Ils ont été coincés à l'époque de Kabila. Ils ont été à Kabila. On a gagné des 30 places. Ils ont gagné 30 places. Ça veut dire que liberté est allée. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la liberté, et donc il ne faut pas réglementer les histoires. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la liberté, il ne faut pas bakoziba ordre na makambo za ko sale maté. Ordre na liberté. Merci beaucoup Ndeko Gauthier Seyamboto kota na situation en Boka likambo ya presse parce que toujours Carole Makasi lelo na kati ya mobeko babimisaki mobeko ezaki adopté récemment na ensemble national bazota isaki journaliste pas dénoncé to lo balikambo fois na ba preuve donc a sali investigation na ya sali enquête na elo lenge longo bani sans pourtant brûler source na ema brandir ba preuve. Est-ce que et aujourd'hui moi coco sauté dans ma journaliste congolais ou bakoma lelo à la mouki à l'homme tout voisin moïbi est-ce que les alliés une façon à couper qui sa mon journaliste ça la moussa les topé les alliés cambois il y a malamou pour n'a qu'au permettre à journaliste ça la moussa le n'est le moubani. Merci maman Naomi au tout n'a tout n'a malamou maintenant qu'au renchérir n'a maï mouninga n'a n'a estime article bas sur le média en ligne. Malheureusement le gouvernement congolais n'a pas de serveur. Il est difficile que le gouvernement puisse réglementer sur les médias en ligne. Donc il est temps, je vous informe ici que même notre code Mboka plus 243, les bandes Mboka, c'est géré en Afrique du Sud. Donc nos appels, tout ce qu'on fait, tout ça exposé, n'est-ce pas, na Mboka, s'il faut nous attaquer aujourd'hui, na kanisa nyosoto salaka ben na ngouki. Et c'est très dangereux pour un pays qui se veut souverain. Il est temps que le gouvernement y réfléchisse comment est-ce qu'on peut avoir un serveur national où toutes ces plateformes, Facebook, Twitter, basent à la filtrer dans le serveur pour que, une fois que Congo mani, oiseau vivre dans le Congo, n'est-ce pas? Il a créé compte Songolo Pakala, accès à serveur Nabiso et à la nano. Net critère y a liboso européen ça n'ingisa na baï gestionnaire ba compte on a pour ba formuler là biso ba compte et même mamba ba site web parce que comment voulez-vous que puissiez réglementer net makamba ba site alors que nous sommes hébergés tous à l'extérieur
certains sont hébergés mais c'est quoi tout le gouvernement a habité oh non hébergé dans la Indonésie on doit le gagner pour il y a un Canada vous voyez tout ça ce sont des problèmes qui font que moins libertinage mouroboué et commis à Makambo et à les médias en ligne alors que actuellement les médias en ligne ils ont source moko et makasi en termes de revenus, il y a bongo na mboka, mais aussi en termes d'instantanéité d'information. Il faudra vraiment que le gouvernement se penche là-dessus. Mais par rapport à la loi, non, journaliste, c'est pas effectivement, un journaliste est formé, ne peut pas s'élever un matin, et quand on parle de la preuve pour un journaliste, on n'a pas seulement besoin d'un document, d'une preuve matérielle. Les solo peut être zappé preuve, t'es. Jeune Afrique, Oyomonio a publié le Kamboya Tata Mbemba. Est-ce que vous avez dit qu'il a un document? Il parle d'une conversation de Jean-Pierre Mbemba et un de ses amis diplomates. C'est aussi une source pour un journaliste. Et à ce moment-là, vous n'allez pas venir poser la question au journaliste, écoutez, il y a ce diplomate, on a comme on est nan. La source est sacrée pour un journaliste. Là, on ne brûle pas la source. Je pense que la loi devra aussi, à ce niveau-là, respecter au champ d'action et à journaliste. N'est-ce pas? Champ d'action en journaliste, n'a pas surni ni moko, et tout le reportage, les témoignages qu'on fait passer du fois. Et sa source était. Et le journaliste, celui qui a le oisan la fleur journalistique, a qui qu'on pousse sa maille le moussika, n'est-ce pas, n'a maille oyo à récolter sur terrain pour faire quoi? Pour en faire un papier de presse ou pour faire un élément du journal. Et tu ne viendras pas ici imposer à ces journalistes là, non, même s'il y a le baki boy, il faut que ça soit un document, il faut que ça soit un livre. Non. C'est là où il y a une confusion. Jeune Afrique n'a jamais parlé d'une interview. Indiscrétion moko entre Jean-Pierre Mbemba na muninga ne diplomate. Ah, ça intéresse l'opinion congolaise. Achango na média nae ebimi et bouleversé. Ça aussi, c'est une source d'information. Na pesin daki sona pour dire ici que la preuve dont on parle dans la loi, ce n'est pas simplement la preuve matérielle. Journaliste azan ba source ebelé. Il y a qu'à récolter information, à traiter Yango par rapport à background Naye, à Tali, et puis par rapport à ligne éditoriale. Mais quand on a dit que la TV a lobby qu'un tel a aidé à détourner à Ibi, ceux qui ont commis le bosso, il y a un juge, un tournier, un prêve, un solo, mais comme il est compliqué. Il y a un mot de la dépénalisation. Il y a délit de presse. Parce que Netiwana, Eva, Makambo, Moussousou, Tangoyo, Nganene, Kolobano, par exemple, et que maman Naomi Aibi. Je n'ai pas une preuve, mais financier Nabino a se livré Nangaï Mopanzisang. À sa source de foi, digne de foi. Parce qu'il y a déjà ramassé la Congo buzz. Quand il me donne une information sur vous, il me donne les détails. Et Ngaï n'a maïle Nangaï n'a recoupé au sein de certains agents y a Congo buzz. Et que 3-4 me confirment l'info. Attends que journaliste, je suis dans les droits, il y a Kolobelaou. Mais tant qu'il y a pénal. Je passe sous contrôle, il y a un juriste, il y a un maître Ngoma, Claude, et bien les blés, il y a un peu. Donc, tant qu'il y a un pénal, on a un pénal, la preuve, elle est libre, on a pénal. La preuve, elle est libre à tout moment, il faut brandir l'élément à preuve. C'est là où, les gens qui ont un journaliste, et on a un monde civilisé, dépénaliser le délit de presse. Et pour permettre aux journalistes, à ça, il y a un monde. Quand ils tombent dans le délit de presse, il y a l'INPC qui est là. Batinda, Nignoana Baki et Nikotala, éthique na déontologie, place n'y a péché. Ceux qui ont violé Mobeko, Oeza Okamba et Tamboulé, les journalistes, va sanctionner pas ma père. Parce que quand il y a tout ça, on en preuve. On en, tu vois, des fois, vous avez des informations. N'est-ce pas, je ne sais pas, il y a jeune Afrique qui a publié. Preuve ni banango sur l'isolonine. Entre l'isolon et la bête, au lac Sadogumani. Mais si c'était au Congo, Nakanisa, MS a saisi la justice pour voir qu'on a Simon, pour voir qu'on a Gauthier. Bah, il n'y a pas saisi justice belge ou française. Merci beaucoup, Ndeko Gauthier. Il faut que vous ayez un bazar. Nous sommes à la surtout dans l'état de démocratie, pour toujours jouer un rôle de la vraiment, Makasi Mingi, situation sociale, sécuritaire et situation démocratique du Congo. Je suis journaliste. Na quelques mois des élections, nous avons une image de RDC. Tout va mal, situation est vraiment chaotique. Est-ce que vous partagez l'avis de la bataille opposant?
tout va mal sur quel plan? C'est que Baye Bissabisso. Baye Bissabisso, tout va mal sur quel plan? Parce que Bissonio, c'est toi qui vivre dans le Congo. Donc, comment on a dit que je suis là? Bah, oui, Bissabisso, tout va mal sur tous les plans. Il y a seul le temps qu'on dit que sur le plan sécuritaire, la situation ne s'est pas totalement améliorée. Donc, on a dit que je suis là. Pour que Kimia et son en partie est y a beaucoup d'abisso. Donc il y a qu'on dit que sur le plan sécuritaire, ma cambra ko tambola mais ko tambola na nenge biso une histoire ko lingate pour que tambola parce que tous on a ba voisin au ba ko baso qu'on vie jour et nuit depuis des années ba qu'on vie ba richesse na biso et pour que baso ba richesse na biso wana ba lingite ko zoyango na ba formule o mo ko zamboka ko proposer bango ba formule ya collaboration d'état à état ba lingi ba zoyango na ndenge na bango ya koyiba et tant ba lingi ba zoyango na ya ngonde ba zali ko semer insécurité avec la complicité ya ba multinationales la grande puissance du monde avec la complicité ya ba Uganda. Il y a Rwanda, ils ont utilisé M23. C'est vrai, on a tenu qu'on reconnaître que la situation ne marche pas totalement comme nous le souhaitons tous. Tomi Kotisaki na EAC, bon, il faut dire que ce n'était pas dans l'objectif de corriger la situation parce que l'EAC est un Kotaki purement pour des besoins économiques. Mais toi, comme on a kebande konabiso, l'EAC fait basana katsako, dribble biso, malembe, malembe, y a wana. Donc, tu as eu Sadek pour que Sadek ait capé Koya. Non, il y a assez simbité. Et assez simbité parce que, il y a eu un biso malem, malem, mais mon Zamboka a dénoncé Yango. Il y a peu à l'objet que ma troupe il y a assez, il y a un pays, monsieur, il y a eu un habité dans la rebelle. Comment expliquer que vous qui êtes venu dans une zone donnée pour mettre fin à l'insécurité, beaucoup mieux que cohabiter dans la rébelle. Ça veut dire que dans la zone où on a insécurité, est aussi la thé. Parce que vous êtes des mèches avec les rebelles. Donc, on peut pas vivre comme la richesse dans Bissau. Donc, dans le secteur, il y a sécurité. Donc, oui, on dit que ça ne marche pas, un tout petit peu. Mais dans le secteur, monsieur, sur ma camboya, ils ont un tambour là. Et le temps qu'ils inaugurent l'infrastructure par-ci, par-là, dans l'Andakio, dans l'introduction, il y a émission, dans l'Awa. Au Lobeli, il y a 145 territoires. Dans le Congo central, il y a une délégation prématurée qui est en perspective. Il y a une inauguration, il y a un édifice et un ami Kuna. Pour le cadre, il y a un programme, il y a 145 territoires. Ça veut dire que Makamoza a. Il y a que ça les mangas, puis dans la cité, école et belé, awa, centre de santé, awa, hôpitaux, awa, et belé, et tout, dans le nord, qui vous cite, qui vous, dans tout un tableau, le bosson, dans awa, sur le plan social. Tant que rien ne marche, la planine est saignée, ce qu'on va définir, bisso, pour que bisso, tu es bien, la banque. Donc, dans quelques mois des élections, ma cambozo, ça les moi, va avancer, les amis. Si on est dans le Tikoloba, si rien ne marchait, comment on se serait retrouvé sur ce plateau? Parce que rien ne marche. Tout le monde se retrouvé dans le plateau à Nénin. Rien ne marche. Katoumbe à Ningaga Longwa, le Bombashi s'est retrouvé dans Kishasa Nénin. Si rien ne marchait. Rien ne marche. Quand tu me dis que tu as un journaliste, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Si rien ne marche. Parce que ma business est à la Congo. Ça veut dire que tu as un bon. À côté de moi, tu as dépensé. Quelque chose marche. Mais au moins, nous devons reconnaître que même sur le plan mondial, inflation, le monde est frappé aujourd'hui par l'inflation. La Wenze. Biloko, ils ont combattu moi talo. Ils ont que pas na biso na Congoté. Ils ont payé na bamboka bamboka paya. La France paye. Toi comme on a yango, comme on a yango récemment. La France, la pays monsieur sur Afrique. Toi comme on a payé yango. Donc c'est pas seulement ici en RDC. Tant au baro le balikamo ya ya maïs na kasa ipe na Katanga. Mais gouvernement outi ko le yango clairement.
Au moins, ma belle, tout ça, dans le Congo, je crois que c'est la recette qui n'a pas payé. Et ça, nous devons être honnêtes pour le dire comme ça. C'est la recette qui a été utilisée par l'ancienne opposition. Et ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé de tout peindre en noir. Mais au-delà de ça, il y a quelqu'un qui va plus loin. Parce que, Azana souci, il y a que, le Congolais, c'est lui qui est l'homme solution. Moïse Katumbi. Alors, c'est manifesté d'être né à l'ingé Congolais. Le Congolais, il y a un Ponaye. En 2023, parce qu'il y a une idée qu'on peut sa solution dans le problème à Congolais. Mais tout en voulant se manifester comme ça, à nuire le bien-être du peuple congolais, à négocier le gouvernement, et à Bamboko Mipaya, Zambie notamment, dans l'Afrique du Sud, pour que le cocotine de la Bissot. Quelque part, il y a une manière à qui ma responsabilité était comment ma sang quantité bolobino et main noire parce que patron mais attends il peut combien mon tout qui ma responsabilité au moins partout à travers le monde rien n'est plus fort qu'une relation. Nul n'ignore la Congo tous les lots que Moïse Katumbi de quoi Francis Kalumba le Bakayango que maman y a Katumbi ça sent bien. Je suis allé dans le bateau. Je suis allé dans le plateau de Péro Loua. Et nous n'ignorons que la Zambie, Moïse Katumbi, a une entreprise ébellée. Nous n'ignorons que la Zambie, Moïse Katumbi, a une relation ébellée. Comme dans le Zamboka. Tinasse. Tant que Katumbi a une époque où il y a Congo, à l'époque où il y a Kabila, à Souka Kawapi. À l'équipe Kawapi. Ça veut dire que dans le pays où il y a une relation malamou. Alors, il peut passer par ces pays-là parce qu'il veut nuire les dirigeants. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il peut bloquer tout un gouvernement. Il n'a pas réussi. Il n'a pas bloqué un gouvernement. Mmh. Il a tenté de bloquer un gouvernement. Parce que l'État reste l'État à réussir à débloquer mauvaise foi. Le Sénégal, le Congolais, l'ennemi numéro 1, il y a un gouvernement de Moïse Katumbi. Il y a des négociés na bamboka me payawana parce que ça fait des années et des années que la Zambie nous ravitaille na nini na maïs na masango to kina ko sobe pa na bango bayaka na ngwe pa na biso to gomba serva ka payi mesusu ya Afrique et ça les kambo ya sekate mais akay a négocié pour que rareté wana pénurie wana et qu'on a frappé Kassai na Katanga, de sorte que y'a pas ce qu'il y a, tant qu'on y a na yango, à teki yango na vu le prix, voilà le sauveur, le Moïse, aye. Yene moto a Sengeli. Très bien. Surtout qu'on a voté. Donc, Sengeli Kongo a yéba, ba Kongole ba yéba, que le numéro 1, l'ennemi numéro 1, yambouka Oyo, les années de Moïse Katumbi. Ezanen de ko Moïse Katumbi. Azo que nous négocier malheur, il y a peuple congolais, et lui-même qui négocie les malheurs, c'est fait l'homme solution. Pour qu'il y ait un massacre, il y a présenté Bissot, il y a côté de la Bissot, il y a la ville prise. Merci beaucoup. Notamment, ceux qui se présenté dans la télévision, se présenté devant la presse à l'objet que rien ne marche. À la veille des élections, rien ne marche. Il y a un moment où on marche les 13. Est-ce que Sengeli ton dit Melaye? Ton dit Melaye était. Parce que notamment, c'est lui qui est derrière le fait que les choses ne puissent pas bien marcher. Comme on m'a l'ami Kouti et Azan et le Koloba. Bah, qu'on marche samedi, le 13. Mais moi, je me dis que c'est une occasion, un or offerte, Nandekoukatoum, pour Kakouka, ne serait-ce que pour la première fois, dénoncer les Rwandais, dénoncer Paul Kagame. Très parce bien. Parce que c'est là qu'on s'en a. Merci. C'est lui qu'on lui dit que rien ne marche. Azan mesure, il y a Koloba qui est. Il n'est pas en mesure de le faire parce qu'il sait qu'il veut s'attirer de la sympathie à Motowana pour qu'on soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on se rend à que rien ne marche, Bissot, le Koloba Congolais, tu as dit Melaye. Tu as dit Melaye, tu as dit que c'est lui notre premier ennemi. Merci, mon ami. C'est lui le chef de file des ennemis. Très bien, merci beaucoup. Ndeko Gauthier, c'est rien ne marche sur l'opposition. Bon, on a balabala le 13 mai. Est-ce que vous partagez à Viwana? Est-ce que Makambezo Salemati n'a échelle nini évolution et Kotina Mboka depuis plus de 4 ans au gouvernement
pouvoir et Félix Tshisekedi en place. Merci, Madame Naomi. Pessara, même temps, d'antenne, Kopesi, Ndekonanga, Siméon. Je vous en prie. Mais je vais quand même revenir sur ce qu'il a tenté de dire sur la SHT, sur Moïse Katumbi, qui a bloqué tout un pays, parce qu'en relation à la chef de l'État zambien, il a ses affaires au Zambie. Mais, cher ami, il a tenté, il n'a pas qu'à bloquer. Attentat qui, mais à coquiter. Comment vous pouvez trouver ça normal? Et ça venait d'un ministre national des Finances, et tu les relayes avec des choses comme ça. Donner autant de pouvoir à un individu qui n'a pas d'avantage, qui n'a pas autant d'intérêt, il a repris sa République zambienne, le Lingimokona République du Congo. Non, c'est faux. Je vous dis, quelle est la relation que Katumbi peut avoir avec la République zambienne que le Congo ne peut pas voir? S'il vous plaît. Président zambien à Katumbi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est quoi cette histoire de réfléchir? Mazaba compatriote. Je considère que Eza avait des chèques. Je considère que Eza, le gouvernement est limité. Et c'est sorti de la bouche d'un ministre des Finances, un homme d'État, qui spéculait sur un plateau de télé. Et mon ami a le malheur de relayer un monsieur comme ça. Qu'il soit frère du président zambien, qu'il soit quoi que ce soit, ce n'est pas le gouvernement zambien qui produit des maïs na Zambie. Ce sont les fermiers, ce sont les artisanaux, le petit peuple, mais leur gouvernement responsable et tiens politique, pourquoi subvention et subventionner les agriculteurs, les fermiers, les salamakamna, pour battre les primoko apaisé, léger, pour asphyxier la population. Et il y a une année et demie, voilà où je me dis, nous avions des gens qui sont dépassés. Des gens qui sont à la tête, n'est-ce pas, de certains secteurs de notre pays, qui sont préoccupés, n'est-ce pas, à se remarier, qui sont préoccupés à devenir riches, millionnaires, certains à acheter des maisons à l'étranger. Ils ne sont pas informés. Il y a un an et demi, Maman Naomi, les gouvernements zambiens, Zwa Mokano, étaient massangou na bangikote comme Alibanda Mbokate, tout simplement parce que Bastoko Bayalki Nango, et Kiti Ekomi Mouke, Massango Bazakolona, au peut basa ko récolter et ça pour permettre ba ngote ba nourrir les ba population na ngomo bimba ba peki ça ma sangue te kama libanda Kenya o ba boili c'est toujours Katumbi qui est derrière ces refus o ba boili côté que la Kenya parce que zambie mené ko souvent côté que la Congo Kenya et quelques pays voisins ba boili côté que la Kenya ba boili côté que la Congo et ça peut commencer aujourd'hui, ça date d'un an et demi, c'est une décision du gouvernement national zambien. Oui, qui ont estimé que ma sangue n'a pas besoin de recoller sa source mboka n'a pas goûté, bakata, parce que moi, bâti la libandate, sinon quoi asphyxier bango en interne. Une décision responsable pour un père qui veut protéger sa famille. Place ni bourgmon na Katumbi, un individu Katumbi, un bopé, c'est autant de pouvoir de tenter de bloquer tout un pays. Et plus grave encore, aucune relation qui Katumbi, au-delà de ses liens, au-delà de tout ce qu'il peut avoir comme affaire ou de ses origines, il ne peut pas bloquer les grands Congos comme la République démocratique. Il n'a pas réussi à le faire. Il y a autant d'intérêts au monde entier à Lukao, en partenariat à Congo. C'est vraiment donner beaucoup de pouvoir à Katumbi et je considère que c'est et que ça venait d'un ministre national. Ce ministre-là n'a pas sa place au sein de notre gouvernement. C'est faux et archi faux. Il y a une décision comme ça qui existe il y a un an et demi et les gens ne lisent pas. Alors qu'on a relayé la décision. Mythic News a relayé cette décision il y a un an et demi du gouvernement zambien. Et je me trouvais à cette époque-là à Lubumbashi. Tant que la crise de Massango est venue frapper Lubumbashi, Kaboul a zoko sa population. On a parlé de ça. Oh non, on a menti. Kaboul a kati sa ki Zambi. A gouga Massango. A négocié na moi, stock ni moi, zaina. Oh non, na Massango na somi. La ki sa va fatu pas sur Massami na Zambi. La démagogie. Donc, Bisson de Tosama qui occasionne encore une solution en interne. Non, mais au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme richesse, terre arable, tout ça, plus de 80 millions, mais on n'a pas la volonté, on n'a pas l'intelligence, n'est-ce pas? Il y a quand le lingé quand il coche mosolo, na bayo ba kosa la milona wana, coche la bango ba moi mongo. Certains, tu sais, maman, ils ont besoin de quoi? Il y a ben trakak. Ba na mabele na bango. Besoin qu'il y ait un trac à Koba Pesa Bango pour Balou Namasango. Déjà, ministre économie a autour le Bango. Mais la délégation des 9 ministres, c'est tout ce qu'ils ont récolté dans le voyage Bassel, dans Zambie et en Afrique du Sud. Partout, ils sont partis, ils se sont rendus compte que le gouvernement ne produit pas. Les gouvernements subventionnent les particuliers. Si les particuliers, bah, salaka, et il fallait négocier avec ces particuliers, les commerçants. Or, s'ils étaient informés, ils n'allaient pas se déplacer autant parce que par ministre, il y a 3 personnes ou 4 personnes à suite. Combien d'argent ils ont perdu? Ils devaient faire venir les opérateurs
économique, discuter avec eux, couper sa bango exonération, certains qui ont subventionné bango, bah qui ne connaissent pas n'inga na bango, les bananboka, bisika bango ni bakyo kosomba, bah même awa, bah t'es qu'à la primoko, il y a très souple pour asphyxier le peuple, tout simplement parce que bah ça déjà exonéré par l'État. Manque il y a politique d'anticipation, ils ne savent pas anticiper et nous tombons toujours dans la réaction. Et là maintenant, il y a des cas, il faut régler maintenant un problème au Grand Kassai, au Grand et dans les Grands Katanga. La famine bat son plein. Donc, dire que Katumbi, où il y a un autre opposant qui a bloqué, moi je considère que ils avaient des chèques, faux fuyants, je ne vois pas un seul individu qui peut bloquer la porte du Grand Congo, n'a partenaire Moko Libanda, parce que le Congo a autant d'avantages, autant d'intérêts recherchés par tous ses pays voisins et de la communauté internationale. Donc, c'est donner beaucoup de pouvoir à un individu, et ça vient d'un ministre d'État, ces messieurs-là doivent nécessairement quitter le gouvernement parce que ce sont ces sentiments qui parlent à la place de faire parler son côté État. Pour ce qui est de bilan, d'abord, avant la côte d'un bilan, je vous informe ici, madame, je viens du Congo profond, et qu'il y a dans certains villages du Congo, au Masango, Manioko, et Zakopola. Parce que moyen pour évacuer en réalité, Banzélé Zaté, les pays est presque enclavé. Donc il suffit qu'à Kabak, Tonga Banzélé, des certes agricoles. Il y a de ces villages-là qui peuvent ici nourrir certaines grandes villes. Mais c'est la 145 démocratique du Congo. C'est ça le vrai problème. Masango et Zakopola. Notez un village, mon Kawayongo, dans les lois-là profond. Namoni, Tala, Bamanyoko, Tala, Makala, Tala, Bamasango. Mais moyen pour t'accoler, c'est Zaté. Moyen pour m'appeler village en Zaté pour Nzélé réalité. Nzélé réalité. Pour ce côté ça une semaine ou ça six jours, ça aussi c'est un problème. Il faut aussi commencer par construire rapidement des routes à des sites agricoles, désenclaver les pays qui est liaison entre les territoires. On pourra, n'est-ce pas, rien que na ni agriculture ni artisanale et côté tenir pendant un moment en attendant toi quoi industrialiser en gros dans les jours à venir. Il faut mettre beaucoup d'intelligence là-dessus et beaucoup de volonté au lieu de chercher à s'enrichir seul. Pour ce qui est du bilan, c'est vrai, Baka isolé, il y a la réalisation des alliés. Ça, on doit les reconnaître. Nettoyage, gratuité de l'enseignement. N'est-ce pas? C'est vraiment un programme, un projet qui a tenu et les lots et soulagé, tant soit peu, mon cousin Mboka, Nabilanaï. Aujourd'hui, lutte contre la corruption avec l'inspection générale des finances. C'est vrai, et que ça me sent dans ma lame, et que vous me dites ça. Bah, criminels financiers, c'est vrai qu'ils sont têtus, ce sont des réseaux qu'il faut démanteler, mais ils font quand même un travail. D'une manière isolée, il y a certaines réalisations, mais en gros, il est réaliste et honnête qu'on se regarde en face, qu'on dise qu'en gros, il y a encore beaucoup à faire et nous sommes encore qu'à moins de 50% de tout ce qu'attend le peuple congolais. Sur le plan social, nous allons et ça partout. Je venais de Kananga, j'étais en Bujumai, j'étais au Lualaba, j'étais au Katanga. Maman, Nzala, tout ce que j'ai retenu, Pati est 500 francs, Mpeche est 500 francs, Ngele la Kantoapa, Chintu. Donc, la mendicité est institutionnalisée aujourd'hui. Mais le Kamanzala, j'en arrive, la mendicité, Nzala, à tous les niveaux. Même en France, il y a des maintiens. J'en arrive. Même en France, il y a des maintiens. Et ici, j'ai dit institutionnalisé. Il faut parcourir les rues d'Istanbul. J'ai dit ici la mendicité. J'ai dit la mendicité, elle est institutionnalisée. Ici, au Congo, il y a certains députés, certains ministres, madame, pour vivre, ils dépendent du gouverneur. Chaque samedi, ils ne peuvent pas gouverner. Parce qu'avec son salaire, il ne sait pas nouer les débuts du mois. Et quand je parle, il sait de quoi je parle. La mendicité est institutionnalisée au Congo. La faim terrible. Sur le plan social, flambée des prix sur le terrain. L'instabilité du taux d'échange. La rareté, n'est-ce pas, la pénurie de carburant, tout ça. Il y a de ces coins où, il faut le mois au Katanga et au Koma na Mbujima, ils attendent deux semaines, trois semaines. On les a dû une guerre extrême. Au-delà de la guerre, Nzela. C'est dans quel coin, par exemple, où il y a un problème de carburant?
C'est dans quel coin? Mujma, d'où je venais il n'y a pas longtemps. Il y a un problème de carburant. Il y avait un problème de carburant il y a un mois. Non, je pense que tu es désinformé. Ah, oui, oui. Voilà. Mais je crois que tu es désinformé. Je parle de ce que j'ai vécu moi-même. Et toi, tu parles de ce que tu as entendu. Non, je n'ai pas entendu. Nakola qui sait que Mili Mikolo et Kuleka, au monde en Gamoko Nakangami Nanzela, l'empereur Moitiyav, je cite les noms pour te montrer maintenant que je viens de là. Oti Sandoa, Odi Lolo Abima, Aya Koloizi, Nzele Yalite Mwa Kangami, roi Kangami pendant 2 jours. Moi-même, je fais 3 jours Nanzela. Mitu Kanaba Kabra et Kangami Nzele Yali Mabe. Moyen combattu alors que Bazo Zakuna. Entre temps, production est à côté les mains. On vous parle de 145 territoires. Il y a des séquences où ils sont encore à niveau d'habitude. Moi, je viens des Kassages, la deuxième ville de Kolwezi, du Lois là-bas. Ils sont encore au niveau d'études. J'ai vu les experts de l'apnée dans Kassages. Il n'y a même pas une route asphaltée. Il n'y a même pas un marché. Il n'y a rien du tout. Tout ce qui se fait, c'est du cosmétique. Tout ce que vous vivez là, dans la TV, ce sont des routes construites par ces entreprises minières Kamoa, Sikomine, vous prenez Zenshin, vous prenez aussi Komate Kefunguru, mais pour notre trafic à Mamaramna. Mais les routes pour l'intérêt général, les Awapi. Nous là où ils ont mis ma biseau et l'ongo Kolwezi, ou comme a dit le logo Masando, ou comme a Kapang, ou comme a Mouchacha, ils atteignent. J'ai des images ici avec moi. J'ai fait 3 territoires de loi là-bas. Au Bakolobawanam, et ça, le Kuta, Bobenga, Batu, la loi là-bas, il y a tout ça, débat contradictoire. Sur les 5 territoires qui composent de loi là-bas, madame, Mouchacha, Sandoa, Dilolo, Louboudi. Madame la gouverneure, à Koumara, dans le territoire Moko Louboudi. Ailleurs, elle n'a jamais été. Les témoins sont là-bas, qui est la chaîne YouTube Anitik News, où les gens témoignent, elle n'a jamais été. Comment voulez-vous développer une province selon sa itinérance? Dans certains points, l'État n'existe pas. Il y a même, vous vous imaginez, administrateur à territoire, chef du quartier, à Koloba, à Lobi Nandimina Pedemsala, il y a incompétence notoire. Tout ce qu'on a mamaté depuis Mouye Jakenda. La dernière fois qu'on a fait, on a tenu une réunion avec le gouverneur, ça date de 2014. Certains disent que ça date de 2015. Très bien. Gouverneur Amona, il n'y a rien absolument, il n'y a pas de route. Posez-leur la question, à part la route qui mène vers Tenkufungurumi, qui mène vers Kamoa, Zenshin, Sikomine, qui nous montre une autre route qui mène vers Sandoa, Dilolo. Je vous dis ici que madame la ministre a comme portefeuille, pourquoi n'est pas partie s'enrôler? Et pas n'est point katan, point kapanga. Il n'y a pas moyen pour Okat Sakasan, Jokota Sando et pas n'aille. Il n'y a pas de pont. Point Koui, madame gouverneur, nous sommes en ensemble. Et moi j'étais là. Pour moi, il faut qu'il t'aille décharger. Mais en tout cas, beaucoup de mai, bakati na nzela mai, bozu bloc bochila, na bakano rapide, bakati sel kati sel bino, et ça vous prend du temps. Donc il n'y a absolument, excusez, c'est important. Parce que j'ai entendu les kina bitando ike koloba, Gauthier c'est y a menti, Gauthier c'est tout ce qu'il dit. Je veux ici, moi Gauthier c'est à parler des choses précises. J'ai dit que madame n'a jamais fait l'itinérance. Qu'on nous dise madame a été où? Parce que les images sont là, les gens témoignent, ils n'ont jamais vu. Nous n'en voyons que madame n'a pas photo, pe na bilili. J'ai dit que la route au madame Alobaki, qu'on pouvait quitter Kolwezi à 7h, pour atteindre l'île à 17h, madame a aussi bongo. Peuple lui, maman fait ma soukaye qu'on a bongo. Moi-même, sur moto, j'ai fait 48 heures pour atteindre l'île. C'est quoi cette histoire des mensonges? Je venais mentir l'opinion. Tout ça, on veut flatter la hiérarchie. Non, mais c'est là où je trouve aussi la faiblesse de l'État, la faiblesse du gouvernement central. Ils ont tous les moyens pour faire descendre les gens, aller enquêter. Les lois là-bas, ce n'est pas seulement Kolwezi. Kolwezi, c'est une petite ville qui n'a que 2 provinces, les 2 communes, Dilala et Manika. Très bien. C'est une petite, s'il vous plaît. C'est important que j'en parle parce que j'entends les gens dire bah, les Kaki, Balobi, Gauthier. Les Kolwezi n'a que 600 000 habitants. Or, les lois là-bas, on sait, c'est 2 880 000 habitants. Les lois là-bas est composée de 2 576 villages. Elle n'a jamais été quelque part. Et tout ça, et moi, j'ai fréquenté plus de 100 villages. Et ça, on vous dit que j'ai toujours menti. Qu'ils viennent ici, qu'on parle en termes de Mzelani Neza, qu'est-ce qu'ils ont construit? Rélevance minière Kenarwa. Vous savez, qui tient, qui supervise tous les sites miniers jetés du lois là-bas? C'est la coopérative Komibakat, gérée par l'oncle de Fifi Masuka, Alain. Et vous savez comment les créseurs sont maltraités? Suivez les témoignages des créseurs sur la chaîne YouTube des Netic News. Ils ont témoigné. Comment est-ce que minerai bimagaté? Les Chinois imposaient un prix. Prio ba ebiso 100 francs, boy, ba boto le minerai. Merci tu beaucoup. Tu ne peux pas discuter. Mais Torres Nabango et Dimnaka, pourcentage à ba minerai. Alors que hier au PZ, minerai et bimsi 10%, mais ceux qui l'imposent, c'est ba Chinois 5%. Merci et beaucoup. Et on impose un prix. Bref. Dans l'ensemble, le pays ne va pas bien. Les infrastructures de base, il n'y en a pas. Les cas de quelques écoles, quelques hôpitaux, quelques centres de santé construits
Nabakouin, ça ne développe pas les pays. Il faut ici un développement qui peut booster d'autres secteurs, notamment construction de tabaroute à des sites agricoles. Vous sentez qu'il y aura l'impact et que le secteur est bélé. Notamment, par exemple, tant que vous stabilisez taux et économie, et plutôt taux d'échange. Et puis, sécurité en Mboka. Tant que vous avez sécurité dans le cadre de Mboka, c'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tshisekedi a hérité ces problèmes. Mais, et comme il se casse sous Tshisekedi, ça va permettre aux investisseurs de venir. Il y aura sur le marché économique équilibre. Très bien. Donc, les pays ne produisent pas, et le pays n'a pas produit encore pendant ces 4 ans. Le pays n'est pas sécurisé. Pendant ces 4 ans, il y a encore une forte insécurité. Les pays, n'est-ce pas, devient de plus en plus enclavé. Pendant ces 4 ans, il y a des érosions, des têtes d'érosion presque partout. Et ça, il y a un problème. J'ai suivi un député national, Kouchi Apoil, il en a parlé. Kalonji. Merci beaucoup. Je vais chiter par là. Le Grand Congo a beaucoup de problèmes. Je peux chiter par là. Ces députés ont parlé de ces problèmes des têtes d'érosion presque partout en République démocratique. J'ai vu un ministre national, toujours Nicolas Kazadj, aller tweeter, se moquer de ses députés. Alors que ce qu'il a dit, et c'est Nagba Koutana, Batal, ce qui a bimsa à mon sol, et que mon sol est ça, salaté, et que le député national, descente, il n'a enquête parlementaire. Batal, comment est-ce qu'il faut régler ces problèmes pour essayer de soulager la population? Merci beaucoup, Mwalamboka. Le Grand Congo a beaucoup de problèmes. De sérieux problèmes. Certains, le président a hérité cela, il se bat avec. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de soulagement pour la population. Il faut reconnaître cela et c'est de l'honnêteté. Très bien. Merci beaucoup. Tout avancé, Bandekolala. J'espère que Bazo Landabiso va rejoindre prochainement. Nande Kogoti, Sei Pona Kolobela, Oletali Bongo, la réalisation à Bango. Je suis disposé, Bazo Kim, partout, Bazo Sambaya Nande Kogoti, Balingite. Je suis disposé à ça, débat à Bango. Très bien. Processus électoral, l'équipe Kadima Fongoli, porte Naye Pona Audit, Naba, parti prenant Nyon Soba Kenekota, la Neye Maramozo Salema, déjà toujours avancé vers Baile. Après ma porte, ma journée porte ouverte, ma bassengi audite Salema. Est-ce que Bandeko, Bazaliko, c'est la restructuration, paix, Bazaliko dénoncer, ma élection chaotique, Bazan la raison, tout est Ndeko, Siméo Isako, Tozali déjà, ok, aussi sa émission, tu reçois 4 minutes pour le processus électoral, Bandeko, Balobi, Bako, marché, paix, les sous pour la Kosenga, ma élection, et ça la solo, et ça la libre, bassengi même restructuration, il y a Seni, paix à cour constitutionnelle, est-ce que Zoko, partager à fin à Bango que ma économie est au bon et au bon malam malam. Bon, je crois que pour parler de la question à l'élection, les 11 mai 2023, ça voudra dire que tous les sous n'a tenté. Donc, comme qu'on est tout droit vers les élections, n'a ma ponami. Il y a d'un côté des contraintes légaux. Eux, ils sont les Sénégalais à faire face à Yango pour que tout le monde soit dans ma ponami. De l'autre côté, des contraintes constitutionnelles. Il faut Sénégalais répondre à la Kamonyo soit pour que tout le monde soit dans l'élection. Il y a l'opposition, il y a le marché parce qu'il y a réclamé. Restructuration, il y a bureau, il y a CENI, loi électorale. Na yo kipe ba Maxime Makambo ya audit, ya fichier électoral na kati. Ngana ko singa bango. Ke esengeli baza la claire. Parce que nous sommes au mois de mai, donc il ne nous reste plus que 6 mois, avec je me trompe. 6 à 7 mois. Pour avoir une élection. Donc, essayez de base à la claire, baye bisabiso. Ce qui, baza besoin de ma ponami, ou bien baza besoin de dialogue, soit encore, baza le complexe à la Félix, tu sais que d'opportunité, qu'on glisse, qu'on continue, pour que baye organise l'élection en 2023. Parce que moi, je ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas normal. Bato balingi que toi connais ma ponami. À quelques 6 mois ou 7 mois des élections, bakomi kocha na mesa, bakomi ko bimisa balibi. Bakomi ko pesa ba cause moko eza, ba raison moko eza fondé. En 2018, nous nous rappelons bien.
Il y a eu cette question de la machine à voter. Tout le monde a refusé la machine à voter. Toute l'opposition dans son ensemble avait refusé la machine à voter. Mais seul l'UDPS a compris que non. Soit au bout qu'aucune élection, la machine à voter, ça voudra dire que nous ne voulons pas aller aux élections, nous ne voulons pas prendre le pouvoir. UDPS a quitté la machine à voter une élection. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais qu'il n'est pas au pouvoir? Tu sais que tu as le pouvoir. Tu sais que tu as le pouvoir. Ça veut dire qu'à l'époque, peut-être, on a le bagage de la machine à voter, on a basé la macamo, on a basé la kati. Ce qu'on pensait à l'époque, c'est ce que nous pensons aussi aujourd'hui. C'est vrai, je ne dis pas que Nanga a été clean, non. Nanga a été clean, la preuve, c'est que, attends, Mindele a sanctionné Nakaye. Il est sous sanction. Notamment pour la passation à marché public, machine à voter et consort. Il n'était pas clean. Mais au moins, on avait eu des élections et tu sais qu'il y a Bimaka vainqueur. Mais nos amis en face, Katumbi, Fayulu, Matata, c'est ça là, ils ne veulent pas aller aux élections. Bah, tu sais qu'on distraire Bissot. Bah, la carte à vous distraire, nous, Congolais. Ce Congolais va se retirer carrément parce que nous avons la FCSA veut se prononcer. FCSA veut la position à Kabila. Kabila peut apparemment l'ouvrir dans la scène politique. Parce que tu as compris, Kabila, c'est comme ça l'ouvrir dans la scène politique. Il y a un moment où FCSA veut se prononcer. FCSA veut dire que sa déclaration, nous adhérons. Sa déclaration, nous adhérons. Le lobby est bien, le lobby nous adhérons. Il y a Mabé, il y a quoi adhérer à Kananyoso. Parce que il y a une opposition à Kabila. Tant que Kabila a coûté les malobis, on n'a aucune élection, on n'a pas FCC, on n'a pas changé. Chadar n'a pas monsieur, on n'a pas changé. On peut voir le bas, tout ce qui est dans l'élection. Donc, tout ce qui est d'abord le Makam FCC, FCC considérant que les gens qui ont mouru, ils ont fait un coup. Et si. Mais ce qu'il faut, on n'a pas délai, on n'a pas délai. Oh, Seigneur, on peut se biser. Ah, nous devons tenir les délais constitutionnels. Si nous voulons tenir les délais constitutionnels, il faut que les opposants aient un bâtiment de caprice. Ils ont un bâtiment de caprice. Je n'ai pas awa. Et ça que parce que ba échoué ko brilé case na makamu ya audit ya fiché l'hôpital avec l'OIF. Ba échoué ko ramener tu sais que le dialogue na ba pression wa bando sala. Ba zo linga sikoyo. Ba ya na makamu wana ya que non parce que selon moni c'est ni à lancer appel d'offres pour na fiché électoral pour l'audit ya fiché électoral et audit externe. Après des systèmes, il y a OIF. Bah, on est-ce qu'on va profiter de l'Okoana, na Senko, na SSC, baba na Kakoya qu'on brille les sous seni, na ba carte sous, pour que bah qu'on soit timing ya bango que ça la makamona bango. Mais en réalité, ils n'ont pas besoin d'aller aux élections. Ils ont besoin d'un dialogue pour se partager les pouvoirs. Bah qu'on se réfère à la santé financière, de sorte que parce que on est à piège. De sorte que le moment venu, ceux qui m'ont mélingé salement, la population que voilà, lui qui s'est dit qu'il est sorti d'une machine politique, il n'avait pas été à mesure de nous organiser les élections en 2023. Ouais, les pièges, mais je sais aussi que tu sais en tant que rodé, à quoi il y a la piège n'a pas roté, parce que tout comme la CENI, tu sais que est aussi déterminé à pouvoir organiser les élections en 2023. Nous avons suivi le ministre des Finances qui s'est déclaré clairement déçu pour un bon mot, mon solo, à l'obique, le gouvernement a disponibilisé mon repos que CENI a respecté délai constitutionnel. Denis Kadimossi avec son équipe, Bazali déterminé pour que le 20 décembre, tout ça, ma ponami, voter nouveau président, va voter nouveau député, et donc, quand on a cycle de sous-sous, il y a ma ponami, ça sera moi je suis en train de voir que ça sera pour la première fois. Il y a bien sûr qu'on a une élection. À l'issue de l'élection, on a fêté. Parce que tu as voté Mokonzi, Nenge et Senghilaki, en toute transparence, en toute objectivité, en toute crédibilité. Des ordres que vous allez être, ma contestation que vous allez être. Je pense qu'à ta cour constitutionnelle, malheureusement, vous allez être dans mon salébilité. Donc, parce que c'est une émission en direct. Il y a 13. Ils ne vont pas marcher pour l'intérêt des Congolais. Ils marchent pour leur propre intérêt. Il y a une élection salimatée. Il y a un dialogue.
pour que tant qu'on va dialoguer, on va causer les sources. Le gouvernement va se partager. Yo, tu sais qu'il dit qu'à la président, mais ça sera prémature, mais ça, oh yo, à son poste tel, mais ça, oh le président, sa cour constitutionnelle. C'est ça ce qu'ils veulent. C'est ça ce que nos opposants veulent. Ils ne veulent pas du dialogue, alors que Bissonio, ça va congolais, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ma pronomie a été, c'est autant pour la malamouté, tout ce qui a été prévu par la CENI est en train de se réaliser. Tout ce qui a été prévu par les calendriers est en train de se réaliser. Le lot comme une étape, il y a audit, il y a fichier électoral, il y a un temps causé là. Bah là, ça perd d'offres. Ce qui va soumissionner, bah, sélectionner, ou bah, causé en auditer fichier électoral, et puis tout l'équipe, dans l'étape Moussoussou, il y a lorsque la répartition des sièges. Il n'y a pas d'opé ces autres à l'amitié, parce que tout le monde qui. Il y a une émission, tout ça, la contrainte constitutionnelle, tout ça, puis il y a une contrainte, il y a Mibé Koyamboka. Hein? Donc ça n'a pas contrainte, il y a même beaucoup yamboka. Et donc la CENI agit en calcul. Il y a Makamonyo Soana. Par contre, quand même, il était copé Sabino 3 mois pour que Bodité électorale, d'autant plus que Bissot et Ibike, le 20 décembre, il faut tous aller dans ma Ponami. Après Sabino 3 mois pour que Bodité fichier électoral, d'autant plus que Bissot et Ibike, il faut dans le mois de juin, avoir Parlement à voter la loi sur la répartition des sièges avant qu'il y ait une vacance parlementaire. Et, vous voyez que ça arrive à bon côté. Et donc le tout doit être mesuré pour que Makamonyo soit à la respecter, de sorte que tous à la élection dans les délais prévus par la loi, par merci la constitution. Parce que ce qui m'a pronomé de salémité, c'est lui qui va répondre à Bakolo. C'est lui qu'on va accuser. Ça sera la CENI, notamment le président de la CENI, M. Denis Kadima. Bakolo Bakeye a organisé ma pronomité. Les opposants vont oublier. Que Barona a Badari Koloba, que non, on peut s'étendre pour que pour l'audit de l'affichage électoral donne autant de temps. Mais Barona a été en tant qu'expert, Bazari Kosala Yangon a calculé mieux sur un an pour que tout soit respecté. Merci beaucoup, mon ami Kandeko Gauthier. C'est ce que le docteur Ali Calendrier a saigné. Est-ce que ça a coincé que le 20 décembre, ma pronomé que vous avez un mois cocoso. Est-ce que faut que vous avez un peu de temps pour que vous avez un peu de temps parce que vous avez un peu de temps pour que vous avez une élection chaotique. C'est pour aussi dire que le temps est le meilleur allié de la vérité. Oyo Katumbi na matata bazako revendiquer les lots, ils ont été bénéficiaires de Sayer. Je vous rappelle que 2006 en 2011, Katumbi était avec Kabila. Ils ont organisé des élections en 2006. Ils dépassent pour mon ami, qui a triqué en avance. Et ils ont facilité ça. Élection et ça qui a comme gouverneur, comme député. 2011, mêmement. Matata, même, ils ont bénéficié, n'est-ce pas, de la fraude. Ils ont bénéficié. Ils étaient hier les parrains de tout ce qui était dénoncé par l'opposition d'hier. Les bébés politiques et Palubi Maponami. Alors qu'hier, il a été, lui ici, auteur, élément majeur. Il y a quoi implanter chaos dans Mboka. Les gens sont morts pour ça. Partout pour revendiquer, bata la serveur. Certains ont revendiqué, réellement, élections à la crédible. Donc tout ça, c'est pour vous dire que même ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, Denis Kadima, Tshisekedi, doivent savoir qu'ils seront rattrapés par les temps. Il faut ici que ça la bilo, il y a malam. Parce que hier, ils criaient à la fraude d'avance, en avance. Ils criaient à un processus biaisé. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas préparer un processus qui pourra mettre tout le monde d'accord pour essayer, n'est-ce pas, ici, d'être au-dessus de la mêlée et se démontrer que réellement, dans notre opposition, ce que vous avez fait hier, dans notre opposition, c'est le processus est biaisé à quel niveau, il fallait dire. S'il vous plaît. Mais malheureusement, on constate que la même stratégie, Oyo Katumbi, Matata va bénéficier avec Lobina Kabila, c'est apparemment la même stratégie que Nicolas, et plutôt Denis Kadima, veut faire bénéficier à Tshisekedi. Comment ça? Je vous rappelle ici qu'il y a de ces coins-là où il y a un enrôlement à la bracatabra, les gens ont marché parce que les gens n'ont pas encore fini de s'enrôler. Ils ont infligé toute une punition à la population. Il faut faire 12-6 km pour aller s'enrôler. Alors que
on pouvait trouver des centres à proximité, une habitation à peuple pour bien s'enrôler. Nous envoyer à l'opération d'enrôlement sans pour autant sensibiliser la population. Les centres les plus proches. Alors que la loi voudrait afficher 30 jours avant les centres et vulgariser ces centres pour que tout citoyen aille bakeno. Ah, il y a un centre qui n'a pas été mis à tel endroit. Ça n'a pas été fait. Ça, il a violé aussi la loi. La loi électorale a été violée à ce niveau-là. Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, c'est aussi la volonté. Tu sais comment on a établi fichier électoral. Je suis d'accord. Je suis de ceux-là où il y a et à Rwandaise, ancienne ministre et à Kagame, et qu'on ne pouvait pas ici, qu'au fond, là, serveur Nabiso, Oezali, élément souveraineté en Boka, n'a pays agresseur, parce que tu as eu des intentions, il y a président Naé, et il est très proche de Kagame, et j'étais de cela, au Batelemaki, Oyef Bayate, donc il y a une organisation Moussous. Mais je considère ici aussi que les temps matériels, les temps Bapesi et Apemo Mbukindam, 5 jours, c'est trop peu. Ce qui est moyen, ça, Denis Kadima, a tiqué la Bango même 1 mois. Parce que hier, en 2018, ils ont pris 3 mois. C'est vrai, on a connu beaucoup de problèmes, l'installation en bureau, on a perdu 2 ans, tout ça, ce sont des temps perdus, mais il faut quand même aussi qu'on soit conséquent pour essayer de crédibiliser et puis qu'on tient tout le monde d'accord. Namaye et Talem. Namaye et Talem, une organisation et la société civile interne. Et c'est une bâti qui a été là, après OIF, c'est qu'il y a pour que tout qui est dans le processus, où il n'y aura pas assez de contestations. Les contestations, on ne peut pas les éviter. Certainement, il y en aura. Mais tous les contestations, c'est le ligne de 2018, le ligne de 2011. Donc là aussi, on demande la bonne foi de Denis Kadima. Il doit quand même essayer un peu d'ouvrir le temps pour permettre à l'expert au Bakoya de soit tant d'abord matériel, il y a audité, fiché calmement. La troisième des choses, ici, Tokopanyanya, Kalaté dans l'Assemblée nationale. Tant que tu as commencé, il faut que tu aies une répartition de siège, maman, Naomi. Parce que, dès que tu as un taux d'enrôlement est faible. Il y a des coins où ils avaient 15, ils avaient 10 députés nationaux, ils se verront, dans le nombre d'enrôlés, il ne faut pas qu'il y en ait 5, il faut qu'il y en ait 7. Et que ces députés-là vont s'entretuer tant que tu as un taux répartition à siège. Qui va accepter la circonscription dans les places de 6? Baroma 3. Or, ce va commis 3, challenge, j'ai commis sous ma casse pour la reléga. Là, il y aura encore un problème. Et le troisième problème, comment voudrez-vous qu'on parte aux élections avec des zones occupées par les groupes rebelles? Qu'est-ce qu'on fera de ces localités? On va organiser l'élection dans Ngongana Bango. Est-ce que Baroma va élire le président? Comment ça va se passer? Mais est-ce qu'il faut qu'on fasse la team? Je considère, à mon avis, que Kotala. Nombre de localités qui sont occupées par le groupe rebelle, le groupe terroriste. Il est important, n'est-ce pas, ici, de rétablir d'abord la paix et que tout Congolais, où il y a un droit le plus légitime, il y a une élection dans le Congolais. Parce que les écartés du processus seraient aussi frustrés. Et ils ne vont pas se reconnaître dans le pays de l'Ozara. Et lui, il n'a pas été dans le Kamamboka. Parce qu'ils peuvent se dire, non, on n'a jamais voté le président, on n'a jamais voté le premier ministre. Ça peut encore ici enverner le problème de l'Abisso et l'insécurité dans l'Est et le Mboka en Abisso. Il est important, Maman Naomi, qu'on revienne sur les pieds sur terre, la tête sur les deux épaules. Total, ni équilibre, mais simplement aussi sur le plan technique. Et sur le plan financier, dans le monde a été, surtout qui est le 20 décembre 2023 dans ma Ponani, ça sera des élections presque bâclées qui risquent de brûler les pays. Nous devons ici revenir sur. Ils vont soutenir bande de composition. Je ne soutiens pas bande de composition parce que eux tous, pour moi, si je gère le choix dans la gestion de la part, Martin Fallou qui n'a jamais géré. Que je considère que je lui accorde encore autant de chances. Mouzito a géré, il a échoué. Katumbi a géré, il a échoué. Matata a géré, il a échoué. Et tous, ils ont échoué dans leur gestion et ils n'ont pas de leçons à donner à Baïba Kosalasiko. Ils sont, n'est-ce pas, quelque part aussi auteurs de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Regarde, eux tous, ils sont devenus aujourd'hui très riches. Et sur ta richesse, n'a pas moins 70%. Et ça, mon goût à l'État.
Merci beaucoup, madame Bokato Chité, Zalaki Pona Congo spécial. Je vous donne la parole aussi, Sanayo, madame Boka Simayon Isako, votre mot de la fin, mais aussi... Ah, vous oui, alors, donc, c'est la votre bon, mot. Bon, on va réagir, on a quand de quoi à lobbyer. Je ne l'ai pas suivi, en tout cas, que là, qui ça place une scène à faucher jusqu'à présent. Non, on est en train de préparer la fraude, oui. C'est vrai, on peut facilement le dire. On est en train de préparer la fraude. Mais il faut apporter des preuves qu'on est en train de préparer. Quand je vous dis que les gens ne se sont pas enrôlés, s'il vous plaît. Il y a des coins où les gens se sont enrôlés. Vous avez parce que sur les 49 millions des Congolais attendus, il y a eu plus de 45 millions d'enrôlés. Mon cher ami. Ça veut dire que les gens se sont enrôlés. Soit en raison qu'on va dire pour préparer fraude. Pour préparer fraude dans la Nengenini. La 5 jours parce que même l'OIF, oh bah Congolais belé bisonos, même toi tu as dit que au boyaké OIF bah Congolais belé opposition bien majorité bisonos to boyaké OIF to boyaké qui est fiché na bisonos qui est na Rwanda, même cet OIF là sur ça le marqué les lois et condité fiché électoral na biso, et ça là qui na demande y a CENI, c'est parce que la CENI aza na logique y a transparence. Il y a un moment temps où il y a un boy à lancer appel d'offres. Mais les temps, 5 jours, c'est à lancer appel. Les temps, j'ai parlé ici des délais constitutionnels et légaux contraignants. Et ce contraindre Bissot. Donc, bon, parce qu'on crie fraude. Bon, on prépare fraude. Bon, on prépare fraude. Ils ne sont pas en mesure. Il y a quoi là qui s'est Bissot fraude. Ça veut dire qu'on prépare Yango à niveau Nini. Des nids qui ont préparé fraude à niveau Nini. Ils ne sont pas à mesure de l'éprouver. Parce que Makambo Nyonso, qui a été prévu, est salémi déjà. Toi, cause de l'année audite, il y a fiché électoral. Et que Salema, l'opposition, la majorité, la scène a organisé tout récemment, journée porte ouverte. Tout ça, la Kikuna. La Kikuna, c'est Makambo. Polele. Il y a ça, la Katsako Salema. La Senko, l'ECC. Mais qu'on a eu ce qu'on a échangé dans le président Yasseni. Bah, besoin d'informations sur le déroulement du processus électoral. Et donc, tant qu'on a fraude, il faut qu'on ait de preuves pour la qui s'acquiert, bah, ça qu'on prépare effectivement fraude. Mais bah, bref, tout ça n'a rien goûté. Parce que simplement, nous voulons noircir. T'as lui simplement t'as suyé, t'as baby ça. Et à un moment donné, t'as commis dans mon orokaka fraude. De quoi goûté, c'est à autre que le bello comme on bien awa. À l'obikatumbi. Matata, ils n'ont pas d'exemple, ils n'ont pas de leçons à donner à l'actuel pouvoir. Pour la ligne, parce qu'ils ont géré hier. Ils ont géré et ils ont échoué. Parce que les Congolais ont été lots. Ils nous ont infligé la souffrance. Pauvre temps, les Congolais ont été lots. C'est parce que Katumbi wana yibaka. C'est Katumbi n'a bomi les lots chez Kamino et Zawana. Les Congolais ne sont pas bien. Comment voulez-vous que Moutambon aille à Kolobakino, qui sait qu'il n'est pas en train de bien faire, mais il y a un abomi chez Camille. Comment voulez-vous? Ça veut dire que Moutambongo, il ne dira que tout va mal. C'est tout ce qu'il peut dire. Très bien. Le discours qu'on a eu à Kolobakino, c'est ça, Mabé. Et il ne va pas accorder du crédit dans le processus Oeza Nakatsako Saleba. Parce qu'il sait que les Congolais ne sont plus dupes. Ayez bien que, parce qu'à diriger Kamabe, les Congolais, les Congolais, ils sont sous affaires. Les Congolais, ils sont votés, ils sont sous. Et parce qu'il est déjà conscient du fait qu'ils sont sous votés, formule simple à utiliser, ils sont sous votés. Tu sais que dans une CENI, dans une motonaïa, tu es CENI, motonaïa, vous préparez fraude électorale. Élection, processus électoral, les a transparentes. C'est le monde des choses à dire. Bah ça, tu sais, c'est rien que vous votez, c'est le monde des choses à dire. Ni opposition, ils a représenté. Mais non. Qu'est-ce que vous dites, madame? Manara était le porte-parole. Il y a Pepperdé, Est-ce que c'est pour reconnaître Kotinda a été, comment c'est ça reconnaître Atina a été? A Kenda Koulé, Mokanda, signé par qui? Aujourd'hui, l'actuel CENI
et ça composé dans la société civile, la majorité, mais dans l'opposition. Eux ne peuvent pas douter ça. Merci beaucoup. Il y a Katumbi Wanale, le roi a commis une opposition. Il nous dira que lui est plus opposant que Manara. Plus opposant qu'Agé Matembo. Ou bien c'est Matata Pono qui va nous dire ça parce qu'il y a une opposition pour besoin. Et à qui a bon maman balanda été pour la bacama. Très bien, merci. Donc, Batik a construit inutilement les processus électoraux. Merci beaucoup, Mme. Mm-hmm. Et le Belina Bango simple et Sakaka. Bazo préparer fraude électorale pour que les Congolais soient bien. Mais au fond, ils savent qu'ils ne seront pas élus parce qu'ils ont mal travaillé. Ils ont appauvri les Congolais. Ils ont tué les Congolais. Ce que les gens nous rappellent, c'est l'exemple de Zopé Sawana Yake. À Zalaki, dans le village, il y a Loana, il y a 3 jours dans Zéla. Mais je ne suis pas dans le tribalisme, mais dans un aspect tribal. Mais les Katanga ont plus dirigé ce pays des années durant. Les provinces les plus riches, parmi les provinces les plus riches, il y a Mboko, tous en a grand Katanga. Comment ils ne sont pas en mesure, Yakobongi Sabanzela. Merci. Comment ils ne sont pas en mesure, Yakobongi Sabanzela. Merci. Merci de continuer. Ça veut dire que discours n'a pas wana. Yakobaso préparé fraude électorale. Et ça, discours moko simple à dire, parce que Bayebi déjà n'a mis mal à Bango. Effectivement, les Congolais sont là. Très bien, merci beaucoup, Ndeko. Gauthier, c'est votre mot de la fin, Isaac, qui évaluation cette mois avant les élections. Comment est-ce que Mbouk et Zako s'est porté? Population à Kangani, Niban, Mboka, à Siméon, ici que population a se dupté. Cette population, elle est mature. Quand vous venez sur un plateau de télé dire que Manara a été envoyé par le FCC, c'est faux et archi-faux parce que la population a vu comment est-ce que Manara a été radié du PPRD. C'est un transhumant. Agé Matembo, un transhumant. Ils ont quitté le FCC, ils ont quitté, n'est-ce pas, certains ont quitté le PPRD. Donc, ce sont des transhumants qui se retrouvent de l'autre côté. C'est le cas, n'est-ce pas, de l'ancien Premier ministre Samy Badibanga qui ont été débauchés au sein de l'IDPS. Donc, aujourd'hui, vous venez, vous reproduisez le même exploit. Oyo, Kabila venait au Sala, Nabatou, il y a IDPS, Nabatou, il n'y a pas Lounakala. C'est faux, il n'y a pas ici représentation au sein de la CENI parce que Manara n'est pas reconnu dans la famille politique, Naé, ni Didier Manara et Agé Matembo. Ce sont des transhumants que vous avez placés de l'autre côté. Il dit de Bogotia a démontré comment on prépare la fraude. Mais quand vous voyez un député national de l'Union Sacrée, Moutou Kané Sali Aksida, Moutou, comment on appelle, les bulletins de vote, machine à voter. Bakangi député Moko. Tout ce qu'on a voté. Non, mais c'est tout ce qu'on a voté quand même. La question était portée au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de la CENI a pu même communiquer. Machine d'inscription. Tout ce qu'on a voté. Le président de la CENI a pu même demander à la justice. Oui. A demandé à la justice d'enquêter. D'enquêter. Comment on n'a jamais vu. Kassian, oui, c'est le député de l'Union Sacrée, madame. Ça, ce n'est pas le début de la fraude, ça. Mais Denis Kazima a expliqué. Nettoyage officiel électoral au sol. Denis Kazima a expliqué nous donne temps de temps. Ça l'a dans la machine n'est pas la même. Un mois pour permettre la structure internationale à Kodité. Et ça, ça m'a cassé. Il y a un doublon, il y a un mineur, il y a un n'est-ce pas, Batoyo. Opération d'enrôlement. Ça, c'est important. Mais la fraude, au-delà de tous ces éléments que nous venons de, je viens d'évoquer ici, vous comprenez qu'il y a quand même une intention, il y a refraudé. Ça, nous disons non. Et ça ne doit pas venir du fils du sphinx de limiter. C'est inconcevable. Tu es naïnini, Makambo Matali, processus électoral. Alobi, les temps. Oui, mais les temps, mon cher ami. Au-delà du temps, il faut aussi trouver l'équilibre. Il ne faudra pas qu'on court derrière les temps. Dans 5 jours, au moins, on est conscient qu'on ne peut pas auditer plus de 45 millions d'enrôlés dans 5 jours. C'est quand même un énorme travail. Ça nous demande autant de temps et c'est un travail technique. Parce qu'il faut que l'Andela Kaba prenne, que l'Andela Kaba mobile. Un mois, je pense que c'est raisonnable. Venir ici, soutenir 5 jours, je considère que Dolinito Pista est raison à bailler. Ça a été fraude déjà préparée. Je suis pas expert. Moi, je suis il faut expert. Demander. Si toi, tu es expert,
Si toi tu es expert et que tu sais dire que les cinq jours sont insuffisants, les cinq jours sont de les dire. Mais il ne suffit pas d'être intellectuel, mais il faut aussi être expert. Ici, il s'agit d'une question d'expertise. Tu peux beau être intellectuel, mais c'est ça le problème. Mon cher ami, tu es dans, au-delà de la technicité. Tu es dans l'intellectualisme. Nous ne sommes pas ici. Nous sommes ici d'abord dans le réalisme et dans la compréhension. Le réalisme global des faits nous oblige d'être experts. Chaque jour, on passe 49 millions. Ce que Nanga a fait en 6 mois, Kadima l'a fait en 4 mois. Parce qu'il est expert. C'est quoi les Nanga a relé le Congolais en 16 mois, mais Kadima a réussi de le faire Merci beaucoup, Mbokka. 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 Merci be